Salut à tous, et eh bien voici la seconde partie de notre vidéo dédiée à la rétrospective 2015. Et donc je suis toujours avec Life. Salut tout le monde. Voilà, et cette fois-ci, on va se concentrer uniquement sur les jeux qui ont été sélectionnés par nos fans, je ne sais pas comment on peut les appeler, nos amis, qui passent souvent sur la chaîne. Et donc ils ont bien participé, on les remercie pour ça. Alors on va peut-être pas parler de tous les jeux parce qu'il y en a eu un peu trop de cités, et surtout parce que malheureusement on ne les connaît pas tous, mais on va quand même essayer d'être exhaustif et de revenir un petit peu sur tous vos choix. Il y a quelques jeux qu'on a eu d'ailleurs vraiment plus de suffrages que les autres, une sorte de vague des joueurs qui vraiment les soutiennent. Alors on va commencer par Darkest Dungeon, en plus c'est un jeu qu'on n'a pas, ni Leif ni moi. Ouais. Même si on a surveillé ce titre depuis son Kickstarter, parce que moi j'aime beaucoup la patte graphique qu'il a. Après, ça a l'air sympa d'un point de vue gameplay, même si ça a l'air assez punitif. Mais c'est vrai que je fais une petite pause ou nette, on va dire, avec les jeux en early access. Donc celui-là, je pense que j'attendrai une sortie un peu plus officielle pour me le prendre aussi, parce que j'avais commencé à avoir des commentaires un tout petit peu négatifs lors d'une mise à jour récente. Donc voilà, je sais pas dans quelle direction ils vont, mais c'est clair que c'est prometteur. Toi tu le prendras, Life, ou... Tu veux dire l'acheter? Eh ben oui. Je ne te demande pas si tu vas le pirater, ça ne se fait pas. Non. Moi, c'est un peu comme toi, c'est le genre roguelike, j'y vais avec parcimonie, parce que ça me frustre tellement. Mais en tout cas, la DA m'attire énormément, donc j'attendrai certainement que le jeu soit peut-être un peu plus... terminé pour pouvoir l'essayer, en tout cas de façon approfondie. Voilà, mais on peut quand même s'attendre à des vidéos sur le sujet en 2016 avec un peu de chance. Tout dépend de la sortie de l'Early Access. Oui, tout à fait, mais... Là, ce n'est plus notre sort. Je suis assez optimiste, donc je le vois bien comme ça. Donc là, il y a quand même eu 4 votes pour celui-ci. Il y a eu 3 personnes qui ont voté pour The Witcher 3 également, notamment Paul Miller, Guy Broche et Eva, qu'on salue bien évidemment. Alors celui-là, honnêtement, je pense qu'il a effectivement sa place parmi les meilleurs jeux de l'année, si ce n'est le meilleur. Comme j'avais précisé, me semble, je ne l'ai pas mis parce que, on va dire qu'il a suffisamment de publicité, je pense, dans d'autres médias. Mais c'est rare que je m'intéresse à des AAA, et c'est encore plus rare que je trouve qu'ils parviennent à vraiment délivrer le jeu qu'ils promettent. Et c'est vrai qu'en y jouant, il faut reconnaître que c'est quand même un sacré travail, et je vois pas vraiment de RPG dans le style qui soit du même niveau, quoi. Toi, t'as testé un peu aussi Ouais, Life. Oui, moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, parce que c'est vrai que j'attends la version un peu plus, comme ils font. Ah oui, l'Enhance. Voilà. Et mais bon, c'est vrai que de ce que j'ai vu, de ce que tu as fait ou d'autres let's play, c'est sûr que ça conforte le fait que c'est une série qui marche bien, qui est solide. Faut juste bien accrocher au contrôle, parce que j'ai un peu de mal à chaque fois avec. Il faut soit une longue phase de réadaptation, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est l'univers qui est bien carré, qui marche bien. On s'implique très vite. C'est quand même un peu technique, donc ça demande quand même un certain entraînement, et c'est pas complètement, allez, on va le dire, casualisé par rapport à certains autres jeux. On sent qu'ils proposent du challenge. Après, on choisit ce qu'on veut, puisqu'il y a quand même un mode où c'est quasiment histoire, entre guillemets, donc les combats sont moins importants. Mais si tu veux du challenge, t'en as aussi. Et puis, par contre, il faut du temps, parce que clairement, si t'as pas. C'est le problème de ce genre de jeu, ouais. Voilà, si t'as pas 40 heures pour au moins faire l'histoire principale, finalement, tu vas passer à côté de quelque chose, donc. Mais bon, voilà, pour moi, clairement, effectivement, il mérite un trophée, si ce n'est plus, pour cette année. Et ça va être difficile pour eux de continuer à ne pas décevoir. Hein. C'est toujours un peu le challenge quand tu arrives à ces niveaux-là, c'est que ça devient difficile de faire mieux après. Bref, il y a également 3 personnes, encore Guybrush, Eva et Xirit, qui ont voté pour Invisible Ink. Donc là, ça veut dire que je ne suis pas complètement trompé. Est-ce qu'ils l'ont découvert sur la chaîne? Je ne crois pas quand même. Mais. Si, il y en a qui l'ont découvert, je crois, sur la chaîne. Ah, c'est peut-être Guy qui a vu ça sur la chaîne. Donc voilà, si j'ai fait cette découverte, j'en suis ravi. Donc là, on ne va pas s'étendre dessus, évidemment, puisqu'on en a parlé précédemment. Après, on a eu pas mal de jeux qui ont recueilli 2 votes, comme Mini Metro, auquel j'ai joué, je fais une vidéo dessus d'ailleurs.
C'est sympa. C'est vrai que j'aime bien ce genre de jeu parce que finalement c'est très simple. Il y a quand même très peu de mécaniques de gameplay, mais elles sont agencées de telle manière à ce que l'expérience soit chaque fois différente. Et puis c'est à la fois difficile puisque de toute façon t'es sûr de perdre ou presque. Et en même temps, ouais, tu découvres, t'apprends, t'améliores à chaque fois. Et on va dire que voilà, tu recommences à zéro, mais c'est pas un problème parce que ça va très très vite. Ça a été pensé pour le mobile, j'imagine. Donc non, une bonne surprise. C'est vrai que faire un jeu sur le métro initialement, tu te dis que le pitch est quand même pas exceptionnel et pourtant. Mais c'est typiquement le genre de gameplay en fait où on voit bien que c'est pas parce qu'on rajoute énormément d'informations ou d'options qu'on va Ah. complexifier le jeu. Ah, c'est Parce clair. que là c'est minimaliste et pourtant le jeu est difficile. Enfin il faut, bah, certes quand tu as trouvé la technique ça va un peu mieux, mais il faut quand même comprendre et c'est pourtant il est vraiment tout simple et tout bête. C'est vrai qu'ils auraient pu faire le même jeu de gestion de métro en mode plus city builder avec Ouais, et ça aurait été pénible. vraiment grosse gestion des RH et compagnie, tout comme ça, des greffes par exemple, et ça aurait été vraiment complètement différent. Et là, on a quand même la difficulté de l'organisation, mais sans superflu. Donc c'est vraiment c'est intéressant aussi comme approche. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment justement élagué tout ce qui tournait autour des choses un peu de détail pour faut se poser la question qu'est le problème de fonctionnement d'un métro dans une ville, quoi. Ça fonctionne parfaitement. Voilà. Ensuite, on a aussi du Battle Brother qui a été cité par Sylvestre et Fred. Donc ça, c'est voilà, on en a parlé précédemment. Donc a priori, ils sont comme moi, ils veulent en voir plus l'année prochaine lors de l'Early Access et lors de la fin de cet Early Access surtout. On le veut fini ce jeu. Également deux suffrages pour Guild of Dungeoneering, dont on a fait une vidéo il y a peu. Donc moi j'ai trouvé ça, on y a joué tous les deux, celui-là c'est pas tous les jours d'ailleurs qu'on joue au même jeu. J'ai trouvé ça sympa mais quand même très on va dire très addictif sur les 2-3 premières heures de gameplay. Dès qu'on dépasse 4-5 heures, C'est un peu redondant, mais on a voilà, vécu. je pense que ce fameux système de ne conserver aucune expérience d'un donjon à l'autre et de n'avoir aucune punition pour perdre un héros. Ça a quand même ses limites sur le long terme. Ils ont changé ça d'ailleurs dans un patch. Ah, d'accord. Petite Ah bah tu information, vois. parce que j'ai joué il n'y a pas très longtemps et quand ton héros meurt trop souvent, enfin d'une certaine classe, il faut que tu attendes un moment avant d'en avoir un nouveau. Donc du coup, ça te force Ah, à c'est pas jouer mal. à une autre classe, quoi. Mais ce qui doit vouloir dire que pas mal de gens sont revenus avec justement ce feedback en disant c'est bien gentil, mais du coup je m'attache à personne et puis je fais plus très attention parce que de toute façon je vais recommencer le prochain donjon avec Ça, la c'est même pareil. personne et les mêmes capacités, voilà, donc j'ai pas besoin d'être très attentif. Mais par contre j'aime bien la direction artistique. Il y a vraiment quelque Ouais, puis chose. le concept aussi en tant que tel Oui. est bien. Mais c'est vrai que finalement, vu qu'on se fout un peu de ses héros et que c'est pénible de recommencer à zéro, bah, bon, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Encore une fois, t'as l'impression que ça a été quand même bien pensé pour des phases de gameplay qui durent 30 minutes et donc plutôt mobile. Ouais, c'est long 30 Même minutes sur une ville quand si même. je. Ouais, bon, bah Hein. Ah, on ça dépend combien sait. t'as station de métro à faire. Voilà. Non, je sais pas, mais alors, je pense qu'il est même pas disponible sur mobile en plus, donc je dis ça, mais c'est pas nécessairement vrai dans ce qui s'est passé. Sinon, il y a également Dirt Rally. Alors ça nous change un peu C'est pas de nos zones l'habitude de de la confort. chaîne. Voilà, mais bon, après tout, tous les joueurs sont assez éclectiques du meilleur général, donc c'est normal. Donc ça, c'est Paul et Eva qui nous le mentionnent. Il se trouve qu'effectivement, Lef et moi-même aimons bien les jeux de rallye et qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ces Non, dernières ça fait années. longtemps qu'il n'y a pas eu grand-chose de bien. Voilà, tout ce qui est WRC et autres, parfois j'essaye et j'arrive pas à m'y faire, honnêtement. J'étais pas complètement convaincu par les précédents Dirt, pour être tout à fait transparent. Mais celui-là m'intéresse. Après, il vient de sortir de l'Early Access, je crois. Donc, pourquoi pas une bonne pioche l'an prochain? Sans doute pas. De toute façon, à 50 euros en revanche, j'attendrai la Ouais, promo opportune. je me méfierais à 50 euros. Voilà, et puis bon, évidemment, il n'y aura pas de vidéo puisque c'est quand même un peu hors thème sur la chaîne. Et là, on va vraiment voir que je n'ai pas de skill, donc ça peut être perturbant. Sais pas drifter. Oh, non, non, non. Même en vrai d'ailleurs.
Sinon, on a également bah, Théa, dont tu nous as parlé, qui oui. a été cité super par Xirif et Eva. Eva qui a beaucoup contribué, donc je vais souvent la citer. En fait, Eva a tout aimé cette année, donc du coup... Non, elle a une déception, on en parlera. Ah oui, c'est vrai. Pillars of Eternity, ça, moi, j'y ai joué un peu, mais toi, tu y as joué beaucoup. Ouais, super et jeu. D'ailleurs, je pensais que tu le mettrais dans ton top. Mais oui, oui, j'y ai pensé aussi. Et je pense que, comme pour toi, pour The Witcher 3, je me suis dit que c'était vraiment un titre qui avait eu de très nombreux honneurs voilà, de la presse, etc. Et... j'ai préféré favoriser d'autres jeux, mais ça reste un des super RPG de cette année, et pour moi, bien, même s'il a quelques petits défauts, voilà, super titre. Et t'étais un joueur de Baldur's Gate ou pas? Ouais. Ouais, parce que je trouve que le challenge était quand même élevé, parce que quand tu, quand tu t'adresses à une population comme ça... Il y en a d'autres qui sont plantés avant. Oui, voilà, c'est très difficile en fait de satisfaire des gens nostalgiques sur une époque, et a priori, la plupart des fans s'y sont retrouvés, donc... Et d'ailleurs c'est bien, parce que comme d'habitude, quand un genre de jeu comme ça, un titre revient et puis fait un carton, c'est vrai que ça donne des envies à d'autres développeurs, et notamment sur Planescape Torment, qui est aussi un super RPG qui était sorti ah oui, bien sûr, dans les 90, qui est en Kickstarter, je crois, non? Il n'y est plus, mais tu peux soutenir le jeu sur leur site. Mais ouais. ce sont les jeux que, il me semble, sont les gens qui ont fait c'est In Exile, Wasteland 2. Ouais, ouais. Et voilà, c'est génial parce que c'est vrai que c'était un super. C'était aussi un super jeu, et je me dis que c'est bien voilà, qu'on ressorte des RPG à l'ancienne qui soient bien faits et pas juste des vieux trucs dégueulasses. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, on peut recommander Pillars of Eternity assez facilement a priori. Ensuite, par contre, on arrive dans des jeux qui n'ont été cités qu'une fois. Donc on va commencer par ceux auxquels on a joué. Il y en a, donc on a Châtaigne, qui est un petit peu un spécialiste du wargame de chez Canard PC, qui a mentionné Pike and Shot, à savoir la version Campaigns et Vietnam 65. Donc c'est des jeux auxquels j'ai joué, bien sûr, et je vous les ai même présentés. Pike and Shot Campaigns, moi j'aurais pu le mettre dans mes tops, je dois le reconnaître, parce que j'aime beaucoup le jeu. L'époque est rarement traitée, puisque c'est quoi, c'est 16-17e siècle. Et les mécaniques de jeu sont quand même bien pensées. Alors ça rappelle un peu quand même des jeux figurines ou jeux de plateau, hein. C'est d'ailleurs un peu l'origine du game designer. Mais voilà, c'est fun. Et l'IA, et ça c'est rare quand même dans ce genre de jeu, est quand même de très bonne qualité. Donc même pour les gens qui n'aiment pas le multi, et je sais qu'il y en a beaucoup, il y a du challenge en solo, aussi bien en escarmouche qu'en campagne. Donc voilà, à mon avis, il faut accrocher à l'époque, c'est clair. Et puis il y a toujours la notion de tour par tour qui pour certaines personnes est un peu trop lent. Toi, je sais qu'il y a un peu joué, je pense, à Pike and Shot quand même. Bah, tu vois, moi, c'est marrant parce que j'adore l'époque. Ouais. Ouais, ouais. J'attendais beaucoup ce titre et j'ai pas du tout accroché au gameplay. Quoi. Qu'est-ce qui t'a un peu rebuté là-dedans? Ah, mais tu sais bien, ces systèmes de déroute là, où quand t'as des unités qui se retirent, t'as la tienne qui suit et tu te dis, mais je t'ai rien demandé, ça m'énerve. En fait, tu n'as pas assez la main sur tes unités, ça t'a l'impression? Ouais, mais a priori, ce que tu me disais, c'est que c'était le gameplay de Fields of Glory, c'est ça? Ah oui, il y a des liens, oui, ça c'est clair. Ça c'est pas adapté, la même chose. Hein, pas exactement, mais je me dis que ce système de jeu, il est pas fait pour moi. Voilà, j'ai passé la main et que ça m'a plus frustré qu'autre chose, cette histoire. Bah, on perd fréquemment dans Pike and Shot, ça faut le savoir. Enfin, je crois que j'ai jamais gagné, de toute façon. Ça, c'est vite. Ouais, je pense que t'as du mal à gérer les défaites, j'ai remarqué ça. Ah bah moi, je perds plus de deux fois, j'arrête, hein. Oui, c'est un vrai joueur connais. Moderne. Donc sinon, il y avait Vietnam 65, que j'aime beaucoup aussi, alors qui est un peu plus limité en termes de scope, on va dire, puisque tu es quand même sur une seule map généralement à chaque fois, et qui ne reprend pas du tout, on va dire, d'événements historiques de la guerre du Vietnam. Mais bien sûr, ça ne va plus dans le sens où ça touche un gameplay assez original. Donc, c'est sympa. Mais c'est clair que j'y jouerai pas, c'est pas un jeu auquel je joue 20 ou 30 heures non plus, quoi. Je pense qu'au bout de 10-15, j'en ai quand même fait le tour. Après, je reviens pas dans ce genre de jeu, moi, pour obtenir tous les succès ou ce genre de choses, ça c'est pas trop mon style.
Mais c'est prometteur, et d'ailleurs il y aura pas une nouvelle version, mais les développeurs travaillent sur on va dire un nouveau jeu avec un peu le même concept, à savoir les tactiques de contre-insurrection sur Afghanistan. C'est la dernière guerre en Afghanistan, donc ce sera sur du 2011, je crois. On verra ce que ça donne. Il y aura des drones, il y aura d'autres choses. Donc ça peut être sympa. Encore une fois, c'est des conflits qui sont pas si couverts que ça, alors que le Vietnam est quand même on va dire, populaire avec des grands guillemets, mais pas trop dans les jeux. Toi, t'as pas testé, je crois, Non. celui-ci. Non. Non, je pense que ça pourrait te plaire, parce qu'il y a un côté logistique, hein. Il y a quand même beaucoup bien géré tout ce qui est munitions et approvisionner ses hommes. Après, voilà, la partie combat est extrêmement minimaliste, puisque c'est juste un jet de dés, hein. C'est vraiment être capable de d'être présent parmi les populations et puis d'éliminer les menaces ennemies alentour. On va dire que le modèle fonctionne et ressemble sans doute à un vrai modèle militaire, donc ça c'est toujours une bonne chose, surtout quand ça reste accessible. Voilà. Ensuite, on a Mister Triple Idiot, je prononce peut-être mal, qui nous parle d'un jeu que t'as aimé, si je ne dis pas si je ne me trompe pas, c'est Divinity Original Sin. Alors lui, il parle de la dernière version, Enhanced Edition. Je suis pas sûr que t'aies joué à celle-ci. Tu as tout à fait raison. Moi, j'ai bien aimé la version qui est sortie de L'original. base, entre guillemets, l'original. J'ai joué longtemps et j'aimais bien notamment j'aime bien jouer les mages. Et là, c'est avec cette combinaison d'éléments, je trouvais ça très fort. Et puis tout le reste est super bien fait aussi. Et en fait, Il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. non, 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 parce que j'ai joué avant la chaîne. Parfait, comme ça tu vas pouvoir présenter les Enhanced Edition. Non. Ah d'accord. Voilà. Non, pourquoi? C'est ce que je voulais dire. C'est parce que je pensais naïvement que quand on installait la version Enhanced, on pouvait récupérer les La sauvegardes. save? Ben non. Et ben non. Et franchement, j'ai pas vraiment Ouais. envie de recommencer le jeu, parce que surtout sur les RPG où là j'ai joué un peu pour l'histoire et tout, du coup, bah, me retaper le même truc, juste avec des améliorations, certes conséquentes, mais qui sont juste que des améliorations, ça me donne pas trop envie, d'autant plus qu'il y a plein Je d'autres jeux comprends. auxquels j'ai pas joué. Ah, je comprends que c'est. Alors, Mais en j'imagine tout cas, que je vous c'est pour des raisons recommande. techniques, hein. Non, 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 il y a vachement de trucs. Ils ont Non, changé. mais je veux dire, le fait que tu ne puisses pas transférer tes sauvegardes, je pense Oui, c'est pour que ça. beaucoup de C'est gens parce qu'ils ont le changé voulaient, tellement de bon. choses Ça ferait des que c'est bugs, pas bon. compatible. Bon. Mais c'est frustrant. Oui, je comprends, mais c'est vrai que recommencer à zéro, parfois, Voilà, faut j'aime quand pas même avoir le perdre moral. et j'aime pas recommencer à zéro. Donc. Hey, on te connaît. Et sinon, d'ailleurs, il cite également Renowned Explorers International Society, qui est un nom un peu complexe. J'ai fait une vidéo dessus, et ça, c'est vrai que ça aurait pu rentrer. J'ai hésité dans les jeux qui sortaient de nulle part et qui étaient des bonnes surprises, parce que c'est très original comme système de gameplay, à la fois puisqu'on peut aussi bien être. En fait, on n'attaque pas des gens au corps à corps, ou encore qu'il y a quelques possibilité d'attaque physique, mais sinon on insulte les gens ou au contraire on essaie de les séduire. C'est assez mystérieux, honnêtement. C'est un ovni un peu ce jeu, mais ça combine voilà du tactical avec du roguelike dans un univers un peu grand explorateur style début 20e. Il y a vraiment quelque chose d'unique dans le jeu, et oui, je le recommande chaudement effectivement, parce que c'est une belle expérience, et le côté roguelike est réussi dans le sens où on recommence à zéro, ça pose pas de problème, on réessaye un autre. De toute façon, tout est généré un peu aléatoirement, donc on a des nouvelles combinaisons, des nouvelles cartes, etc. Vraiment très sympa. Toi, je crois que tu as pas joué, mais Non. tu devrais y jeter un œil, à mon avis. Alors pareil, c'est un de ces jeux quand même dans lequel je suis rentré très vite, et je l'ai plus lâché pendant pas mal d'heures. Et après, à un moment, j'ai quitté et puis j'y suis pas revenu. Donc ça mériterait d'ailleurs que je réessaie. Je crois qu'il y a eu des patchs. Mais parfois, t'as un petit peu je sais pas, t'as la hype du moment et puis tu touches plus au jeu pendant 2 jours et puis voilà, t'y reviens plus, quoi. C'est un peu mon profil. Voilà. Sinon, on a aussi Taxony qui n'avait pas encore contribué, mais il nous a quand même cité quelques titres, c'est sympa à lui. À savoir, alors là, moi je suis pas assez pointu sur Total War. Il parle d'une extension, je crois, qui était la colère de Sparte pour Rome 2. Non, c'est pas une déception, pardon. Lui, il aime bien celui-ci. Je sais pas si toi t'avais aimé ce DLC. Oui. Alors après, j'ai pas forcément passé énormément de temps sur celui-là parce que j'ai pas fait la campagne complète. Par contre, j'ai vu qu'il avait en tout cas de très bons retours. Moi, de ce que j'ai essayé, il était plutôt
c'était un DLC qui était plutôt bien fait. Après, bon, je suis toujours un petit peu... Toujours un peu cher, peut-être. Ouais, bah, c'est toujours le même problème. Hein. Sur les Total War modernes, il y a beaucoup de DLC qui sortent. Donc, quand c'est des DLC de campagne comme celui-là, c'est intéressant pour moi parce que j'aime bien jouer les campagnes. Mais voilà, quand c'est des DLC uniquement de quelques unités pour débloquer une faction, c'est toujours un peu embêtant. Mais là, pour le coup, bon... Mais il vaut mieux avoir un Rome 2 avec pas mal de DLC ou un Attila ? Ah, Attila. Ok, ouais. Ouais, Attila est vraiment bien et est un très bon titre avec aussi pas mal de, enfin quelques DLC. Mais de base, il est bien, il y a un vrai challenge et il y a beaucoup de choses qui étaient un peu bancales sur Rome 2 qui là sont mis d'équerre, donc vraiment bien. Il y a d'ailleurs une extension qui est sortie Charlemagne il y a peu. Exactement. Et tu vas peut-être nous en parler bientôt. Et voilà, l'an prochain. Ah, mais c'est fou, ça. 2016, hein, pas 2000. J'espère. Bon, on a hâte d'y être. Taxony mentionne également... Quand même, hein. Comme je disais, il mentionne également Victor Vran, auquel j'ai joué, que j'ai présenté rapidement quand il était encore en Early Access. Il faut que je m'y remette. J'avais bien aimé, parce que c'est un peu hack and slash action. J'ai un petit faible pour ce genre, je le reconnais. Mais c'était un peu différent du vraiment de la copie habituelle de ce que font beaucoup de gens, à savoir du Diablo-like. Non, cette fois-ci, il y a quand même un côté vraiment contrôle direct du personnage, parce que ça se joue plutôt au clavier ZQSD qu'à la souris, et avec vraiment un travail sur un peu le skill et la capacité donc à vraiment bien combiner les attaques. C'était sympa, vraiment. Et puis ça sortait un peu nulle part, dans le sens où je crois que c'est Eminent Games ou un truc comme ça qui le fait. D'habitude, ils font du jeu de stratégie. Donc c'était quand même un pari de se lancer dans un genre qui a rien à voir. Et pari gagnant, surtout que c'est un jeu, je crois, qui est une vingtaine d'euros. Donc voilà, si vous êtes en manque d'action, c'est clairement une bonne pioche, à mon sens. Il n'y a pas vraiment de risque là-dessus. Même si c'est vrai que moi je préfère par exemple un jeu comme Van Helsing, qui est peut-être un hack and slash un peu plus traditionnel. Un peu plus buggé aussi. Ah oui, ça oui. mais j'aime les bugs, moi. Ça, c'est mon côté fan de Stalker, ça me marque. Sinon, dans les jeux qu'on connaît, il y a également Killer 7, qu'on salue au passage bien sûr, qui commande souvent et on le remercie, qui cite un jeu qui toi t'as beaucoup plu, mon petit Life, à savoir Xenonauts. T'en as même fait un let's play. Exactement. Pourtant, toi qui aimes pas perdre, c'est un jeu assez punitif. Ah bah ouais, mais je perds souvent en fait, mais vous voyez pas. Ah c'est ça, tu triches dans tes vidéos, ça tu veux dire, là tu le dis en direct. Oui, oh, mais c'est bon, de toute façon, il y a 40 personnes qui regardent mes vidéos à chaque fois. D'ailleurs, il faut que j'en fasse bientôt là. Non, parce que j'avais bien aimé XCOM, donc le remake sorti... Non, ouais, 2009-2010, non ? Ouais. Même 2011. Non, il y a plus récemment, j'aurais dit il y a 2 ans. Ah oui, t'as raison. Et j'avais un peu tâté des XCOM anciens, et là c'est vrai que Xenonauts, bah, c'est le gameplay des originaux, mais en version un peu plus moderne. C'est bien foutu, ça marche bien, la difficulté est là sans être excessive, en tout cas pour moi. Et bon voilà, on retrouve bien le plaisir de jeu. Je crois qu'ils voulaient travailler sur un 2, je sais pas où ils en sont. Je crois si, j'ai entendu dire ça aussi. S'il est lancé ou pas. Et puis bon, de toute façon, il y a le XCOM 2 aussi qui doit sortir. Ah bah l'an prochain. Ouais, l'an prochain, ouais. Je sais pas si c'est pas février, je sais plus. Ouais, parce que je crois qu'il était prévu là, mais en fait, ils ont dû décaler un petit peu. Là. Ils ont reporté la sortie, ouais. Il a l'air assez prometteur quand même. Voilà, mais c'est vraiment ce genre de jeu tactique comme celui-là, là, c'est vraiment, pour le coup, le gameplay qui me convient bien et qui me plaît bien. Est-ce que tu joues avec des mods ? Bah oui, Xenonauts, il est modé. C'est tout l'intérêt de ce titre. Super. Alors, ensuite, on nous parle de Concrete Jungle. Ça, j'y ai joué. Et c'est intéressant parce que Eva le cite et Killer 7, lui, le mentionne comme une déception. Je suis un peu entre les deux. Je suis pas déçu dans le sens où je... Pas. Non, mais j'attendais pas spécialement ce titre et je le trouve malin. C'est quelque chose que je trouve malin. Alors, je sais pas si c'est un adjectif qui est vraiment encourageant ou pas. Dans le sens où ça a quand même un peu balayé le city builder traditionnel. Ils ont pas voulu reprendre la formule justement à ce qu'a très bien fait, mais c'est pas toujours le cas, City Skyline, à savoir s'inspirer de SimCity. Donc, c'est à la fois du city builder, un jeu de cartes, et puis en même temps, c'est un côté un peu puzzle.
Donc voilà, les hybrides, c'est toujours le risque, c'est que s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans l'un des trois genres, on risque de rester un peu hermétique. Pareil, ça rentre dans les jeux, je trouve, qui sont très sympas à jouer une demi-heure, trois quarts d'heure, mais pas des très longues sessions, et on peut s'en fatiguer relativement vite. Voilà. Donc encore une fois, si on aime les jeux qui se jouent en moins d'une dizaine d'heures, ça peut valoir le coup, après à voir en fonction du prix ce qu'on peut en penser. Mais pas mal, en tout cas, bonne idée. Et on espère une bonne base pour pourquoi pas une suite un peu plus ambitieuse. Toujours dans les jeux qu'on connaît plus ou moins, il y a Guybrush qui nous parle de Star Citizen. Alors là, forcément, on parle pas d'un jeu qui est terminé, loin de là, je sais pas quand est-ce qu'il verra le jour, qui est en Alpha Un jour. 2.0 maintenant, quelque chose comme ça. On l'a tous les deux, un petit peu, on a été un peu pris dans cette vague, je ne sais pas, de hype populaire, qui fait que maintenant il a plus de 100 millions de budget. Moi, j'ai jamais joué depuis qu'il est disponible. J'attends vraiment qu'il y ait quelque chose de concret. En plus, j'ai l'impression que c'est optimisé à la truelle. Toi, t'as testé un peu le module de combat à une Alors, époque. c'est pas optimisé à Twell, c'est pour montrer que c'est un jeu qui tourne que sur les PC. Oui, bah peut-être que Et seront donc sponsorisés par Nvidia et AMD, ils me feront changer ma config, mais c'est pas encore le EDF. cas. Moi, c'est un peu comme toi. En fait, c'est vrai que je l'ai acheté, je pense, juste après toi, en Early Access. Et je m'étais dit, ah, ça y est, il va sortir les trucs et tout. Et puis en fait, c'était quand même quelques temps. Et là, j'ai installé, lancé, mais j'ai vraiment pas très longtemps. Donc, je peux pas non plus trop me prononcer sur la version 2.0. Ouais. Mais en fait, ce qui me gêne dans ce jeu, c'est que. La vente de vaisseaux comme ils font actuellement, qui permettent d'engranger beaucoup d'argent, je vois pas trop ça, où ça mène en fait, parce que visiblement c'est des Bah, ça mène à raccourcis. beaucoup d'argent. Oui, ça c'est par contre si je vois bien de ce côté-là ce que ça fait. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, théoriquement, de ce que j'avais compris, c'est que c'était pas un mode free-to-play, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien acheter avec de l'argent in-game qu'on gagne, etc., tous les Oui, vaisseaux. tout à fait. Donc là, ça veut dire que c'est des raccourcis, mais d'un côté, de ce qu'on voit dans l'arena, c'est que finalement, si t'as baqué que pour avoir le petit vaisseau de merde, ben t'as que celui-là et puis tu te fais chier tout seul, quoi. Donc je suis un peu partagé parce que je me dis Ah, mais qu'ils il n'y a ont. pas de progression à l'heure actuelle. Bah, je me dis que pour l'instant, ils ont aucun intérêt à sortir le truc hyper rapidement. Hein. Pour l'instant, ils ont une machine à cash énorme, quoi. Ah bah c'est sûr, même en mettant des démos un peu moyennes, ils continuent de l'engranger de l'argent tous les mois. Moi si j'étais eux, franchement, à part faire la fête quelque part, je suis pas lancé. Bah ouais, du coup l'univers persistant qui m'intéresse plus parce que c'est là où on peut vraiment jouer, j'ai envie de jouer à un freelancer, etc. Bah là pour l'instant je l'ai pas et je me dis ils ont aucun intérêt à le sortir rapidement. Donc je suis vraiment en Bah, mode attendons mais. c'est vrai, c'est-à-dire que ça fait quand même partie des jeux qu'on a envie de voir. Ah bah carrément, parce qu'ils promettent Voilà. tellement, il y a tellement de trucs dedans qu'on a envie de voir quoi. On a été assez stupides pour y croire, en tout cas, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est bien parfois de croire en des choses. Non, on a été avisé. Ok. Alors sois positif. Ensuite, on a Fred qui nous parle de deux jeux qu'on connaît, à savoir de Banner Saga, auquel tu as joué, qu'il aime bien. Je pense que c'est sorti en 2014, par contre, si je dis pas de bêtises, ou peut-être Ouais, il même. est sorti, ouais, pas cette année. Voilà, moi je suis pas entré dedans, je dois le dire très simplement, parce que c'est un jeu qui m'a l'air quand même orienté sur l'histoire, et moi les histoires ça me gonfle. Donc la partie combat j'y ai joué un peu, et puis après c'était trop bavard, voilà pour moi. Même si j'aime bien l'univers un peu viking, toi je sais que t'es un peu plus accroché. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Tu l'as fini peut-être même. Je l'ai même fini, ce qui est assez rare parce que je finis pas tous mes jeux. Et là, justement, je suis allé jusqu'au bout parce que j'aimais bien l'histoire. Est-ce que les combats deviennent intéressants ou pas? Moi, je le trouve toujours intéressant. Bon. Tous. Donc à Ben la fin, je les ai j'y trouvés resterai tous. peut-être alors. Ouais, non, non, à la fin, je les ai trouvés tout aussi intéressants qu'au début. Et j'ai hâte d'avoir la suite, voilà, pour continuer l'histoire. Parce que par contre, ça c'était hyper frustrant. Ah, l'histoire ne se termine pas. Non, ça s'arrête et puis c'est un peu suite au prochain numéro quoi. Ah, Ouais, dommage. je pense que ça m'aurait pas dérangé puisque j'ai pas trop suivi, mais j'ai pas poussé l'expérience. Mais je retenterai peut-être. Mais après le, ouais, moi j'aime bien. Ça c'est un beau coup de cœur aussi. Ok, on verra bien la suite. Et sinon, par contre, alors là, il classe en semi-déception. Donc, c'est pas complètement la déception, mais il n'en est pas Mais un loin. peu. Alors là, à savoir Massive Calice, que tu as testé, mon petit Life. Ouais, et je suis assez d'accord avec l'avis de Fred,
Donc tu es semi-déçu. Je suis semi-déçu. En fait, au début, c'est super sympa. On se dit, ah ouais, c'est bien, la bonne idée. On peut faire ses propres lignes génétiques, etc. Travailler dessus. Puis finalement, au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais bon, à quoi bon ? Et c'est le soufflet tombe assez vite. Et du coup, ça donne même pas envie de rejouer au jeu. Donc c'est ça, okay. C'est dire, ouais, c'est une bonne idée, mais au final, ça, on s'ennuie au bout d'un moment assez vite. Et on est un peu déçu. Oui, Fred nous signale très précisément que la rejouabilité est difficile car l'approche affective avec les personnages est annihilée du fait du mauvais équilibrage avec la frise du temps. Ouais. Ouais, tu le confirmes. C'est très précis, mais... Ah oui, c'est pointu. Attends, nous, c'est on a pointu. Des... Et nous, les gens qui commentent, ils s'y connaissent. Non, hein, moi, je ne m'attachais pas du tout à mes personnages, j'en ai rien à foutre. Par contre, c'est juste que, effectivement, cette frise, là, finalement, ça nous emmène dans le temps et on perd ses personnages, on en reprend de nouveaux qui ont des défauts, des qualités. On a essayé d'optimiser ça, mais finalement, on a l'impression de ne pas trop avoir de prise des fois sur les éléments. Et du coup, oui, ce qui devait être une bonne idée, au bout d'un moment, devient juste ennuyant. Ça roule. Ensuite, on a quelques jeux cités par Eva qu'on connaît plus ou moins. Starhammer, alors j'en parle très vite. Oui, moyen pour moi, c'est du tactical dans l'espace. La seule chose que j'aime vraiment dans Starhammer, c'est le fait que ce soit du tour par tour simultané. Et je trouve ça toujours intéressant. Après, je trouve l'univers un peu pauvre en lui-même. Et bon, le côté histoire m'a pas complètement convaincu. Mais le gameplay est assez solide. Il y a également Conflix dans la liste auquel tu as joué, que tu nous as présenté, même en multi. Ouais. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un titre quand même que t'aimes bien. J'aime bien. C'était pas RTS d'habitude, hein. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Enfin, si, mais plus. On va dire maintenant, plus trop. Voilà, c'est ça. Vieilli. Non, mais c'est bien. J'aime bien le studio qui est à l'origine de ce jeu. Je trouve que l'univers est génial. Et après, c'est sûr que c'est perturbant le système de jeu, donc je pense que c'est vraiment on accroche ou on n'aime pas du tout, et ça vaut le coup d'essayer. Il y a la version démo multi qui est disponible. Alors, le problème d'une démo multi, c'est que faut qu'il y ait des gens en face, donc des fois il y en a, des fois il n'y en a pas trop, ça dépend un peu, mais ça vaut le coup d'essayer. Bon, ben voilà, c'est retenu. Alors on va tous jouer à Conflix, tester la démo et on fera une grande vidéo avec vous. Sinon, on a End of Fate, oui, très bon choix. Jeu malin, encore une fois, c'est un peu mon adjectif du soir. Ouais, t'aimes bien. Ouais, voilà, qui mixe des gameplays, à savoir jeu de cartes et puis combat en temps réel. C'est bien fait, honnêtement. C'est malin. C'est le mot que je cherchais. Après, la partie combat est un petit peu répétitive, peut-être. Et puis, encore une fois, quand on aime les jeux de cartes, peut-être qu'on n'a pas envie quand même de jouer à un jeu d'action à la troisième personne. Mais l'univers est bien fait, et puis justement le fameux dealer de cartes qui est face à vous, il a du charisme, donc c'est difficile de décrocher une fois qu'on a commencé, même si le jeu d'ailleurs est pas forcément très difficile. Après, il a un côté roguelike au niveau de la position des salles et des cartes en elles-mêmes, donc voilà, on peut avoir des bonnes runs comme des mauvaises. Ouais, c'est dans les 5 roguelikes que j'ai préféré cette année sans problème. Toi, je crois que t'as pas testé cette chose là non. Elle mentionne également Hard West, qui est un excellent choix, c'est pour ça que j'en ai parlé au début, donc merci Eva de soutenir ce choix. Elle parle d'un jeu, toi, que t'as failli mettre, je crois, dans ta liste, à savoir Sovereignty, Crown of Kings. Ouais, failli, j'ai pas hésité très longtemps, je l'ai évoqué. C'est déjà beaucoup. Et c'était un peu pour me foutre de ta gueule aussi, parce qu'on en rigole assez souvent. En fait, j'aime bien ce jeu, en tout cas j'aime bien le potentiel qu'il peut avoir. Là, c'est vrai que j'ai été un peu déçu du suivi de l'Early Access pour l'instant. C'est vrai que j'ai mis en pause le Let's Play, il y a un seul épisode pour l'instant, en me disant « Ah bah tiens, il y a le patch 2.0 qui va sortir, bah, autant attendre qu'il sorte, et puis comme ça on continuera la belle campagne sur le patch 2.0 ». Mais en fait, ça c'était en août. Et, eh puis, oui. Là, il se murmure sur le forum qu'il y a un truc qui va sortir, donc peut-être que mais pour peut-être 2016, pas. Ça va redémarrer. Non, mais voilà, c'est le seul point négatif que je signalerai quand même sur ce titre, c'est ça, c'est un early access poussif pour l'instant. Okay. Mais le jeu, en tout cas, moi, je l'aime bien, j'aimerais bien qu'il se termine. Ça marche. Alors, on va juste lister rapidement les jeux auxquels on n'a pas joué
et qui ont été mentionnés au moins une fois, mais qu'on aimerait bien tester. Il y en a qui sont même pas sortis, puisque il y a par exemple Total War Warhammer dont parle Guybrush, donc ça arrive l'année prochaine. Il se peut que tu testes parce que tu es un grand fan de Total War, mais pas un fan de Warhammer, donc peut-être que tu vas être un peu déchiré là. Est-ce que tu vas y jouer? Oui, parce qu'il paraît que c'est un bon Total War. Comment ça il paraît? Qui a dit ça? Bah, Guybrush. Ah, si Guybrush l'a dit. Ah, ça bah, doit oui, c'est ce qui se dit dans les couloirs aussi. Mais c'est vrai que je connais moins l'univers Warhammer, donc ça me. Est-ce que là tu peux me citer trois races de l'univers Warhammer? Ouais, il y a les orques, les humains et puis des nains. Bah, c'est bon, tu peux tester. Voilà. Tu pourras faire illusion. Non, mais okay. Voilà, je pense que ça va être un bon Warhammer, donc ça vaut toujours le coup d'essayer. Là, il y aura peut-être des DLC, tu en vois là quand même. Ah bah, il y en aura plein, avec plein de couleurs différentes, d'armures et compagnie. Eh oui, quand on a un tel univers, une telle fanbase, ce serait dommage de s'en faire, priver. Tous les couleurs d'arc-en-ciel. Moi, j'ai relevé City Skyline aussi, j'ai pas eu le temps d'y jouer, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à un City Builder à proprement parler, et celui-ci, a priori, tout le monde affirme que c'est ce qu'on espérait d'un SimCity moderne. Donc, j'espère y jouer l'an prochain, quand j'aurai un petit moment de libre. Ça a l'air sympa, c'était mentionné par Paul Miller. Je pense que toi, ça t'agace un peu, les City Builder, non? D'un moment. Mm. Ouais, donc tu ne testeras pas. Il y a Dark Matter 61 qui n'a parlé que d'un jeu, donc c'est-à-dire que c'est vraiment son jeu de l'année, à savoir Combat Mission Black Sea. Si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas complètement sorti, dans le sens où il doit y avoir encore des choses à faire dessus. C'est un peu le Shock Force 2 de chez nos amis de chez Battlefront. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu Combat Mission, je dois le reconnaître. J'ai adoré cette série jusqu'au 3, à savoir Africa Corps. J'ai pas vraiment joué au jeu depuis qu'ils ont changé de moteur avec Normandie. J'aimerais y revenir. Je suis pas complètement amateur de leur politique commerciale. C'est-à-dire parfois même on en arrive à payer des patchs. Après, je comprends qu'ils aient besoin quand même de fonds pour développer un jeu un peu niche comme celui-ci. Et c'est vrai que pour Combat Mission, je sais pas pourquoi, je suis un peu bloqué avec l'association de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai Shock Force, mais j'ai pas beaucoup joué. Black Sea, c'est un contexte très moderne, évidemment, contemporain. Je testerai un peu, sans doute, mais j'attendrai une petite promo, et ça arrive pas tous les jours chez Battlefront, pour me le procurer. Je pense que ça pourrait te plaire aussi, à mon petit life. Hein. Ouais. C'est peut-être un peu trop sérieux, un peu trop... Oui, ça un peu trop wargame. Ouais, ça manque de côté jeu. Puis moi, le wargame, il faut que ça soit très très lent. Très tôt par là. Oui, enfin là c'est pas quand même très rapide. Hein. Je te rassure. Oui, je me souviens. Ouais. Surtout que je crois qu'en plus tu peux avoir les deux modes maintenant, hein, temps réel ou tour par tour, en fonction de si t'es un vieux grognard ou pas. Voilà. Dans les jeux qu'on aimerait bien avoir tous les deux, c'est pas tous les jours, il y a Off-World Trading Company qui est encore en early access si je ne m'abuse. Oui, je crois. Donc c'est Eva qui nous en parle. Je sais pas trop quoi en penser, c'était un jeu, il me semble, qui était vraiment orienté sur la partie économique, ce qui est pas tous les jours, donc il n'y a pas de côté militaire. Ça change un peu, et puis c'est dans l'espace. Sachant que je crois que c'est édité par Stardock, qui est quand même très sérieux sur ses jeux d'une manière générale, donc ouais. C'est assez rassurant, même si j'ai l'impression qu'il y a des résultats un peu mitigés lors de l'Early Access. Alors il faudrait éplucher un peu pour comprendre ce qui a déçu les gens, ou au contraire ce qui les ravit. Et voir surtout si l'orientation est bonne. Ce serait sympa d'en parler l'an prochain, ça. Oui, moi oui, tout à fait. Voilà. Sinon, j'ai noté Death Trap. Ça, c'est tout simplement parce que c'est fait par mes amis qui font justement Van Helsing. Mais c'est une petite adaptation avec du Tower Defense, qui n'est pas ma tasse de thé à la base. Mais j'ai eu le jeu à un moment donné, donc il n'y a qu'à l'installer et y jouer, encore faut-il trouver le temps. Mais si ça arrive, ben, ça fera sans doute l'objet d'une vidéo, parce que voilà, ça change un peu du Tower Defense habituel, parce que je crois que tu peux contrôler directement ton héros sur le plateau, entre guillemets, qui a des compétences, etc. Et puis il y a du loot, et ça, le loot, c'est... Ça marche toujours. Voilà, et puis toujours dans la série d'ailleurs des...
des hack and slash un peu ou like, il y a Grim Dawn. Alors ça, bien sûr, c'est un jeu que j'ai backé, puisque c'est un jeu qui est fait par les développeurs de Titan Quest, qui est mon hack and slash préféré. Mais celui-là, je ne veux pas y jouer avant la fin de l'Early Access. Voilà, je n'ai pas envie de démarrer un personnage et puis être bloqué et attendre la fin de l'acte 3 ou je sais pas quoi qui arrive dans 6 mois. Donc je n'y toucherai pas avant sa sortie officielle et je sais qu'ils le feront dans longtemps sans doute, et ils le feront bien au moins. Donc je prends mon mal en patience sur ce titre, mais j'y jouerai, c'est certain. Peut-être que j'y jouerai en coop avec Leif. Oula. Non. Oh, ouais, si, c'est pas sûr. Ah si si, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas, on fera une vidéo sur Grim Dawn quand ça sortira en coop, voilà, c'est dit. Voilà, ensuite on a toute une série de jeux là qu'on connaît peu, voire pas. Donc on va pas tout énumérer parce que la liste est longue. Si, bah, y en a qu'on connaît, mais c'est juste qu'ils nous ont pas intéressés. Et il y a ça aussi. Par exemple, je Fallout vois 4. Alors Fallout 4, je pourrais pas dire qu'il m'intéresse pas. Ça a été mentionné par Guybrush et Paul dans les déceptions, hein. Ouais. Donc c'est quand même à noter. C'est-à-dire c'est un des jeux les plus vendus de l'année, mais vous le trouvez décevant. Oui, c'est vrai que j'aime bien les vieux Fallout et un peu comme les gens qui trouvaient que tout était mieux avant, bah, j'ai un peu peur que ce soit pas exactement la même chose. Peut-être, voilà. Mais j'ai un œil sur un jeu qui s'appelle Underrail, qui va sortir bientôt, qui sort de l'Access bientôt. Et je pense qu'on pourra retrouver du vieux Fallout avec ça, donc on en parlera peut-être. Le 4, je pense quand même que j'essaierai un jour, mais là c'est clairement pas un jeu que j'achèterai plein pot. Donc on va attendre que Bethesda fasse des promos. Débug le jeu aussi, je pense qu'on en a pour pas mal de temps. Ouais. Voilà, on va attendre un petit prix et puis des bons mods. Et on se laissera peut-être tenter. Sinon, il y a des jeux qui sont juste pas notre genre. Je pense à Taxonic qui cite par exemple Football Manager ou Final Fantasy. Je dois avouer que je n'ai jamais joué à aucun de ces deux jeux. Ouais. Enfin, j'ai testé une fois Football Manager, mais... Rocket League, c'est pas trop forcément. Ouais, Rocket League chez Eva. Bon, pourquoi pas, ou Joubarb qui parle de Soma, qui est a priori un excellent jeu d'horreur, mais moi j'ai peur dans ces trucs-là vraiment au sens premier et j'ai pas envie de faire des cauchemars, je m'excuse. Donc non, je ne jouerai pas à Soma. Je ne jouerai pas non plus a priori à World of Warship dont nous parle Killer7. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec ces jeux type World of Tanks. J'ai déjà essayé justement World of Tanks à l'époque. Bon, ça m'avait pas déçu dans le sens, c'était pas mauvais, c'est juste que j'étais un peu neutre par rapport au jeu. Il y a tellement de jeux à tester, autant se concentrer sur ceux qu'a priori on aime. Tout à fait. Voilà, bon. Et puis on va juste conclure avec une déception d'Eva quand même. C'est rare qu'elle soit déçue, donc on va en parler, à savoir Sword Coast Legend. J'avais senti un peu quelque chose arriver avec ce jeu, mais dans le sens mauvais du terme. J'ai pas vu passer, c'était un jeu Donjons et Dragons. Si, si, j'avais su aussi. Et ça avait l'air de promettre beaucoup, et a priori, ça a pas contenté grand monde. Non, donc, non c'est un peu raté, il y a un petit métacritique. Ouais, alors ça, parfois, bon. Ouais, mais 61, bon, c'est pas énorme. C'est hein. Et pas puis, une référence métacritique. User score à 5,5. Ouais, c'est pas génial sur Steam, il est à 58% de positif. Ouais. Donc voilà, j'ai pas exactement lu les critiques, mais clairement, il s'est passé quelque chose entre ce qu'avaient promis les développeurs et puis ce qu'espéraient les gens. Après, l'univers Donjons et Dragons est tellement populaire que c'est vrai que les gens peuvent attendre des choses un peu spéciales, et puis si c'est pas exactement ce qu'ils veulent, ils sont immédiatement déçus, je ne sais pas. Voilà, et bien écoute, Leif. On va s'arrêter là après cette très longue cérémonie incroyable de la rétrospective 2015. Mais c'était une année très riche en jeux et en bons titres, notamment. Et oui. Et d'ailleurs, il y a quand même énormément de jeux PC. Alors, je pense que ça va baisser. J'espère pas en tant que joueur, mais j'imagine que beaucoup de développeurs ont du mal à s'en sortir malgré tout, avec autant de concurrence. Donc, on verra un peu ce qui se passera en 2016 et au-delà, mais... Voilà, on va peut-être se diriger vers quelque chose d'un peu plus resserré en termes de nombre de sorties, parce que là, c'est quand même difficile de suivre l'actualité, parfois, il faut le reconnaître. Il y a énormément de choses qui sortent. C'est pour ça qu'on aime bien vous parler de pas mal de jeux comme ça, parce que souvent, on en rate, hein, même des jeux très bons. Et c'est vrai que dès qu'un jeu est un peu sympa, mais pas plus, eh bien, il attire difficilement l'attention. Puis on voit qu'il y a des jeux aussi qui ont un petit coup de hype qui dure 2 semaines, et puis c'est fini.
Mais bon, c'est déjà pas mal pour eux. Ouais, Kingdom en fait partie. C'est vrai que c'est un jeu, quand il est sorti, tout le monde a fait des let's play dessus, on a beaucoup parlé. Et là, c'est plus ou moins tassé. Et voilà, c'est passé déjà à notre SV. Du coup, les rythmes et les cycles, ça accélère. Ça accélère et c'est parfois assez compliqué de suivre l'actualité, en tout cas. Ok, et ben voilà, on va conclure là-dessus. Merci encore pour votre participation et puis on en profite pour vous souhaiter dès à présent d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve avec d'autres jeux en 2016. Et oui, en pleine forme. On espère. Ah, ouais, on espère, ouais. Merci en tout cas à tous. Allez, salut. Ciao, ciao.